Bonjour Internet. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, les oiseaux chantent, les papillons volent, bref, vous connaissez la phrase. Aujourd'hui, je me suis demandé ce que c'était une journée à 100% pour moi. Je pense qu'aujourd'hui j'ai été pas loin de la journée à 100%. La journée à 100% c'est une journée où j'arrive à réaliser tous mes objectifs en temps et en heure. Et correctement aussi, c'est mieux. Donc Bah voilà quoi. Alors pour moi c'était une journée à 100%. Cette journée elle a été pas mal, j'ai assez bien bossé, j'ai fait les choses. Cette journée j'ai pensé qu'elle allait être vachement compliquée parce que je n'ai pas réussi à dormir. J'ai très peu dormi, peut-être 3 heures ou 4 heures parce qu'il faisait tellement chaud. J'arrivais pas à dormir. Donc j'ai composé, j'ai édité une vidéo. J'ai pensé que ça allait être compliqué le lendemain quoi. Mais finalement ça a été. J'ai travaillé le matin comme d'habitude. Je travaille chez moi sur mes projets, je compose, j'écris, je contacte des gens surtout. Après, je suis parti travailler. J'étais avec mes collègues qui étaient en train de danser sur de la salsa. Enfin, c'était bonne ambiance. Franchement, ils sont bons et débordent de joie. Et ça, c'est une bonne vibe pour travailler, tu vois. Après, je suis re-rentré chez moi, retravaillé. Puis après, je suis ressorti. Je suis parti prendre une séance de coaching vocal. Après, je suis re-rentré, j'ai retravaillé. Puis après, je suis parti à la salle de sport. Puis le moment où je suis sorti, il a commencé à pleuvoir bizarrement. Puis après, ça s'est arrêté, il a plu, ça s'est arrêté, il a plu, ça s'est arrêté. Une séance aussi expéditive, mais qui a été grave cardio. Parce que comme vous pouvez voir sur mon t-shirt, et ben, wow, il était mouillé, il était énormément mouillé. J'adore quand les choses mouillent. Bon, peu importe. Après, je suis rentré, j'ai continué à mixer un morceau, j'ai édité le vlog, donc ça a été quasiment une journée à 100%. Pour qu'elle soit à 100% vraiment, il aurait fallu que je travaille un peu plus mon aspect danse et mon aspect musique. Travailler dans la profondeur, comme par exemple faire des gammes, faire des étirements, faire des échauffements, ce genre de choses qui doivent normalement faire partie des routines quotidiennes. Voilà, en attendant, bah écoutez, je vous laisse. Je retourne travailler, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de faire ce que vous avez à faire.